Auto-attaque, je tue le Valkyne. J'ai calé une épique. It's good to be the boss. Et yo potes les petits potes, j'espère que vous allez bien parce que ça fait super longtemps les petits potes, ça fait super longtemps qu'on s'est plus vu. Enfin, de toute façon, je vous vois jamais, mais je vous vois avec vos petits commentaires tranquillou, pampidou. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait de vidéo, c'est normal. Enfin, c'est pas si normal que ça, mais en soi, c'est juste le fait qu'il y avait les. Il y avait Pâques et il y avait l'enterrement de vie de garçon de mon grand frère. Du coup, niveau timing, c'était. Il y avait pas trop le temps, quoi. Il n'y avait pas trop le temps. Il n'y a pas trop le temps entre les binous. Voilà. Vous savez ce que ça fait hein, pendant les fêtes et tout ça. Hein, je pense qu'il n'y a pas que des saints ici. Donc aujourd'hui, petit pote, on va parler d'un monstre. Enfin, plutôt d'un héros. D'un héros qui est plutôt dans la méta. Hein. Il y a la nouvelle méta qui est sortie. Du coup, tout ce qui est nain. Presque tous ils se mettent un doigt dans le cul. Hein. Presque tous ils auront un bon gros doigt dans le cul. Hein. Un bon gros doigt. Hein. Honnêtement, je vais vous dire qui est au top leader là en ce moment. Quels sont les deux putains d'enculés de merde qui sont en haut, en haut, en haut? Déjà, il y a Lily, un fleur, ça vous le savez. Hein. Bon, Valkyrie, vous pouvez l'utiliser toujours. Hein. Si vous voulez l'utiliser, pas de soucis, utilisez-le. Les teams de nains, je dis qu'ils sont plus méta. Pas totalement, hein. Ils sont encore un peu de méta. Je peux utiliser, ça reste très fort, mais il faut avoir des grosses runes. Mais ça peut tenir. Mais là, si vous voulez faire du PvP facile. Bon, là, en revanche, j'ai pas mes épiques à fond. Bon, si sur elle, j'ai tous mes épiques. Mais pas sur le deuxième que je vais vous montrer, qui est tout simplement Mortis Pontifex, les petits potes. Pontifex, c'est un monstre. Comme ça. Comme ça, il est hein. C'est un boss. C'est un boss, c'est tout. C'est un boss. Le truc est juste trop pété. Bon, je l'ai pas en épique, du coup, bah, je galère un peu niveau PVP, mais niveau rune, bah, je vous ferai un petit plan dessus. Ouais, je vous ferai un petit plan dessus. Du coup, je vais pas vous montrer ces runes tout de suite. Mais en gros, je le mix un peu d'attaque et un peu de défense. J'espère vous montrer. Bon, il y a certains teams, hein, je me fais éclater parce que j'ai pas Lily Gold. Hein. Le truc, c'est que s'il me pète Pontifex, j'ai plus beaucoup de dégâts en fait. Et vu que j'ai plus de Razor, bah, ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué. Du coup, moi, ma team, bah, en arène, on va faire un petit peu d'arène, les petits potes. Un petit peu d'arène avec ma nouvelle team. Parce qu'il faut suivre la méta. Hein. D'ailleurs, il y a aussi Crow. Crow qui est un monstre très fort. Et derrière, je dois moucher le petit pote. Je suis désolé. Mais attends, qu'est-ce que je fous moi? Attends, si. Ok, on va juste changer un truc. On va faire un petit truc. D'ailleurs, sur le petit compte, petit pote, je vais aussi faire une petite série PVP en vous montrant parce que j'ai changé quelques trucs. J'ai changé aussi quelques trucs. J'ai changé quelques trucs sur. 2 secondes, je vais juste moucher. J'espère que ça vous gêne pas. Vidéo PVP aussi sur Dofus si jamais quelqu'un veut. Voilà. Donc tranquillou Pompidou, on va faire une petite arène. Je vais pas prendre ce que je suis sûr de perdre. Hein. Donc ça en revanche, ouais, je vais le faire. Ça on peut se tenter. S'il me tue pas mon Pontifex, j'en one shot un. Hein. Clairement j'en one shot un. Hein. Vous allez voir la beauté de ce monstre. Juste la beauté quoi. D'ailleurs tout ce qui est sort et ça, je vous expliquerai tout ça dans un petit plan. Dites-moi si vous voulez un petit plan dans les commentaires. Hein. Et n'hésitez surtout pas à rejoindre mon Discord hein, dans le lien aussi. Et dites-moi si, bien sûr, le lien vous n'arrivez pas à le faire. Et alors, je vous donnerai mon code. Il n'y a pas de souci, mais ça c'est mieux pour les vidéos si vous voulez m'en envoyer. D'ailleurs, si vous voulez, je peux aussi vous montrer. Dites-moi aussi dans les commentaires si vous voulez que je vous montre sur quoi j'émule mon jeu et tout ça. Et lequel pour moi est le meilleur des émulateurs. Pourquoi il est mort lui? Ah ok. Bon bah je vais pas pouvoir tenter un one shot, on va quand même un peu taper lui. Oh merde le con il va me tabasser. Ah non c'est bon, il m'a pas tabassé, il a pas de contre. Il a pas de rune contre, ok. Moi je la joue souvent avec une rune. Le Hansuk je le joue avec une rune contre parce que c'est quelqu'un qui tape très fort. Allez, on va mettre ça. Juste changer un peu de musique parce que ça devient un peu lourdeau là. T'as juste le mettre de début. Voilà. Ça va bientôt changer, je pense. Allez, Pontifex résiste un tour histoire que je puisse quand même montrer. Voilà, bon, il y a ça, ok. Lui, il veut taper, c'est lui. Ah oui, c'est vrai, je suis con. Je suis totalement débilos.
Faut que je tue la Amy et je suis en train de me faire éclater. Hein. Ah ouais, là, je suis en train de me faire péter les potes. Je suis en train de me faire péter, j'ai pas réussi à tuer. Il faut que je tue la Amy au fait. Hein. Je suis con depuis le début, je dois la tuer. J'avais pas vu qu'il avait. Enfin, si, je l'ai vu, mais. Vous avez vu que j'ai pas fait très gaffe. Et avec un Jinx et une Lily, ça va être compliqué. Hein. Je vous l'accorde, les petits potes, ça va être un peu compliqué. Parce que ma Lily, elle va pas, elle tank pas énorme hein, sur un souk. Hein. Ouais, bon, là c'est mort, hein. Je dead, j'aurais dû gagner, hein. Clairement j'aurais dû gagner, j'aurais pas dû perdre. Aucune chance que je gagne là. Hein. Mon Jhin est beaucoup trop, voilà, peu tanky pour gérer ça. Mais d'ailleurs, en ce moment j'ai du mal, hein. J'ai du mal les petits potes, hein. Les arènes, j'ai du mal là, je suis en légende 3 en plus, je fais que baisser parce qu'en plus il y a même plus les séries de victoires, du coup ça devient galère de monter. Alors, comme vous voyez maintenant, hein, les teams, hein. Full Pontifex Lily, hein. Je vous avais prévenu, hein. Juste regardez la Lily là. Allez, ça on peut se le tenter. J'ai envie de vous montrer en fait les dégâts du Pontifex si on me l'attaque pas. Mais moi c'est juste parce que ma Lily elle est pas gold, hein. Je l'aurais gold, ça serait autre chose, hein. Parce que alors ils seront obligés de taper ma Lily gold et mon Pontifex pourrait cash balancer l'éclair. L'éclair ou je sais pas ce que c'est là. Le sort de mort là. Un truc trop puissant, beaucoup trop puissant pour un personnage. Mais avec son costume, voilà, c'est le costume qui me manque. C'est le costume, c'est pas les pics, c'est le costume, les petits potes qui me manquent. Avec le costume, les Pontifex et Lily, c'est des monstres. C'est des putains de monstres. Bon, là, vas-y, mets-moi la barrière de liane, là, de ronce. Non, tu veux pas. Ça, c'est des teams que tu peux utiliser BL. Hein. Clairement, là, ça vaut plus trop le coup d'utiliser des Razor et Inferno, surtout, qui est assez. Un monstre un peu mis de côté en ce moment, il est pas dans la méta du tout. Mon fond vert il bug toujours, mais bon, ça je pourrais faire. Voilà, là je vais pouvoir vous montrer les dégâts qu'il peut faire. Bon, c'était pas fameux, hein. D'habitude tape un peu plus fort. Bah, ok, j'ai pas eu le boost de puissance. Dommage, dommage, dommage. Ou j'ai juste pas critique en vrai, hein. J'ai juste pas critique. Hein. J'ai juste pas critique, c'est tout. Faut que j'arrive à critique histoire de vous montrer. Bon, je peux aussi faire avec l'autre attaque. Hein. Toutes les attaques tapent assez fortes en vrai. J'aimerais bien vous montrer. Bon, en soi, là, je gère easy. Hein. Je peux pas perdre. Allez, là, on le tue normalement. Il y a moyen qu'on le tue. Du 10K sur du boost de défense. Hein. J'ai critique sur du boost de défense. Hein. Bon. Faut pas non plus chipoter, les petits potes. Hein. Il y aura d'autres arènes. Je fais d'autres petits raids. Tranquillou. En tout cas, dites-moi si vous voulez que je fasse des lives aussi sur Dungeon Boss, ça pourrait peut-être vous plaire, j'en sais rien. En tout cas, les Pontifex sont de sortie. Bon, ça va. Ça a pas l'air trop trop fort. Ça a pas l'air trop trop fort. J'hésite, hein. En vrai, j'hésite. Hein. J'hésite à garder mon Jhin parce qu'il est pas très. Il est pas très solide, tu vois. Mais en vrai, il est utile peut-être le Valkyne l'enlever. Je vais tenter avec un une Amy. Je vais tenter une fois comme ça parce que je crois que je manque surtout de défense et de ça, hein, de grosse vita. Bah, j'ai pas de tank en fait. Ça serait mon Amy, mais malheureusement, elle est pas gold, du coup je peux pas tanker avec elle. Ouais, Lily, Amy, c'est bon. Je me perds dans mes mots quoi. Le mec quoi. Bon, touche pas mon Pontifex, j'aime bien ça. Quand on touche pas Ponti, je suis cool. Tranquillou. Allez, fais-moi plaise là, fais-moi plaise. Putain, il a pas. Bon, je réinvoque quand même le mort, du coup, il va quand même taper avec ça. Bon, c'est pas ce que je voulais, hein. Bon, on va quand même réinvoquer le petit Jhin. Peut-être que cette team sera mieux que avec Valkyne. Tac, faut que je tue zoom, hein. Si je tue pas zoom, ça va juste être chiant. Juste être très chiant et j'ai pas envie que ce soit chiant. J'ai envie de le clean assez facilement. De toute manière, oh, j'ai gagné 7000. J'ai gagné 7000. Je vois pas comment j'ai pu gagner 7000, mais ok. Ok. Vas-y, toi, t'es mort maintenant. Crit. Voilà, 26K. Ça qu'on aime. Allez, on balance le heal. Le heal plus le debuff. Hein. C'est un heal plus un debuff. Hein. Tout le monde le sait, ça. On va plutôt envoyer ça. Je préfère ça en vrai. Ça tapera peut-être plus fort. Ouais, ça tapera clairement plus fort. Clairement.
Tranquillou, pépère, on fait nos petites arènes, j'en ai 29, hein. J'ai pas ouvert le jeu depuis hier. J'ai juste fait mes... Je t'avoue que j'étais pas trop... Oh punaise. Là, tu vois, je suis un peu perplexe parce que elle est revenue dans la méta, mais comme une fusée. Une fusée Ariane, hein, elle est revenue. Hein. Elle est revenue comme une fusée Ariane, celle-là. La Aria, surtout la Aria du cirque. Je crois qu'elle a pas de super costume, qu'est-ce que je raconte? C'est juste Ariane, il me semble qu'elle a pas de super costume. Je suis pas sûr de ça, hein. Je peux me tromper. D'ailleurs, les seuls costumes que vous pouvez acheter en Nether, c'est les seuls costumes qui ont des pouvoirs. Voilà. Comme ça, le jeu, il fait pas de... Il fait un peu moins de pay to win, tu vois, mais quand tu payes, là c'est quand même un jeu mi-pay to win, tu vois. Pas trop non plus, mais un peu quand même. Tu peux te débrouiller en étant free, mais ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long, tu vois. C'est quand même, t'es quand même très avancé quand je... Ah, attends, je redis. T'es quand même très avancé quand tu payes, voilà. Bon, on va quand même se le tenter. On va quand même se le tenter. Bon, les niveaux 75, à partir du niveau 70 à 80, tout le monde a à peu près le même niveau, hein, de runes. Hein. Clairement, c'est pas parce que t'es niveau 80 que ton perso est big puissant, tu vois. Il aura certes de plus de stats que l'autre, mais le niveau du runage, si l'autre il a des runes monstrueuses, ça change rien, quoi. Ça change clairement rien parce qu'à partir du niveau 70, à chaque event, tu reçois la même chose que les mecs niveau 80. Il me semble, je suis pas sûr de ça, mais il me semble. Et c'est en dessous du niveau 70 que tu reçois des runes héroïques. C'est plus c'est héroïque ou légendaire, mais en gros, tu reçois des runes en dessous. Et après, niveau 50, tu reçois encore des runes en dessous. Et après, tu reçois des runes champions et trucs comme ça, quoi. Enfin, ça descend à chaque fois, tu vois. De ton niveau. Même si t'as fait le même score qu'un niveau 80, tu recevras une rune de ton rang de niveau, tu vois. Je sais pas si vous avez compris. Je vais quand même tenter un petit truc en zone là. J'ai envie de faire un petit truc là. J'en ai tenté là une petite technique là. Si, parce qu'ils vont pas me le tuer, c'est sûr et certain. Oh putain, qu'est-ce que je raconte? Oh pétard, qu'est-ce que je raconte? Je vais les fumer. Je vais le fumer. Je vais le fumer, hein. Je réinvoque Jean. Voilà, tranquillou, Pompidou. Toi, là, tu vas arrêter tes conneries là. En plus, t'es boosté de dégâts. Tu commences vite fait à me saouler. Allez, bouffe-toi ça. Et ciao ciao bambinos, un petit 24 000 dans la gueule là. Toi je vais te fumer avec Pontifex, je vais te fumer avec Pontifex. Si tu prends tes dégâts déjà, parce que ouais, c'est ça sa grosse... Un petit critique à 36e, 36 000 les petits potes. Petit critique à 36 000. On adhère, Avenir. J'adore Javner, Avenir. La petite quête réussite. Pampilou, Pampilou. Allez, on va le détruire. Bon, comme vous avez vu, il y a beaucoup de Pontifex dans les défenses arènes. C'est affreux, hein. C'est affreux, mais c'est devenu le boss. Hein. C'est devenu clairement le boss, les petits potes. Hein. C'est l'heure de l'améliorer. Donc, si vous voulez que je vous fasse vite fait un petit tuto dessus, un petit plan dessus direct. Je dis rien de plus, je dis rien de plus, mais vous avez compris les petits potes, je pense. Moi, c'est Hansuk qui me fait peur parce que Hansuk, ça, c'est quelqu'un qui est pas méta, qui est pas méta, mais il a toujours été super fort dans toutes les méta, au fait, tu vois. Il a jamais été méta, mais c'est toujours un mec qui est resté, tu vois, dans le petit fossé de la méta, il était toujours là, tu vois. Il suit derrière. Mais ce qui fait que des fois, tu peux t'attendre à des gros dégâts de Hansuk et. Et tu te fais éclater par un Hansuk qui est... Ça gèle. J'ai vraiment gelé Hansuk là. Avec mon Pontifex. C'est quoi ce délire, hein? Je peux même pas geler, je crois. À moins que j'ai une rune qui gèle, mais ça m'étonnerait. Attendez, après je vais regarder juste un truc. Attends, mais je l'ai gelé avec ça. Bon, toi, t'es mort, mais... Ah si, ah si, si, ça gèle. Frozen, ok, ça gèle. Nickel, bon, bah toi, t'es mort. Petit 53 000, les petits potes. Petit 53 000. Voilà, ça, on aime. Les petits raids comme ça, là. On adore, on adhère à Vner. Bon, avec une Emi, ça passe mieux. Hein. Le fait que je puisse raise, ça passe mieux. Bon, là, à l'époque, ça servait parce que les gens pouvaient pas te le one-shot, le petit squelette. Mais là, clairement. En fait, quand tu transformes un petit squelette,
si tu veux, t'as un sort dans, du psychologue qui fait que tu peux te réanimer toi-même. Toi-même, j'ai failli roter, c'est pour ça que j'ai parlé un peu comme ça, tu vois, tranquillos. Je fais encore un petit raid, et après, je voulais. Je sais pas si. Bah, tu sais quoi, je vais vous montrer à quoi sert la boutique des heures, parce que. Parce que voilà, il y en a plein qui veulent savoir aussi ça, j'avais vu dans les commentaires. D'ailleurs, j'ai le nez qui coule en ce moment à cause du temps là. Il fait chaud, il fait froid là, il fait super chaud de ouf. Hein. J'ai dû ouvrir la fenêtre. C'est aussi pour ça que bah, mon fond vert ne marche pas top top, tu vois. Ok, tranquillos. Oh, ok, je vois déjà le genre. Hein. Si rien qu'avec une auto-attaque, je lui ai mis ça. Il est mort celui-là. Hein. Lui, mon gars, il tient pas long feu. Hein. Surtout, en plus, il prend le vieux sorcier dégueulasse là. À skip qui gèle, hein. À skip. Vas-y, mais tue-moi. Tue. Il peut même pas me tuer. Non, mais c'est décevant ça quand même. Hein. Tu peux pas claquer un one shot avec Agon. Surtout sur un Jhin, quoi. Ça, c'est assez décevant. Hein. Clairement, c'est décevant. Vas-y, je sens quand même le gel. Bon, lui, dès qu'il va jouer, ça va être chiant. Hein. Donc, on va vite le tuer. On va vite réinvoquer notre petit Jhin, là, histoire qu'il fasse un peu le taf. Histoire qu'il refasse un peu le taf là. Oh bon, ok, ça zoom de faire le taf. Zoom, ok. Ouh, triple esquive. Ouh, la triple esquive. Allez. Nicky Boras. Ciao, ciao. Obamas. Petit DK. Un petit DK tranquillos. Comme vous voyez là, en vrai, je gère plutôt bien. Mais hors cam, je vous avoue que des fois, je galère. Hein. Des fois, je galère de ouf. Bah, comme les combats du début où je sens que je suis trop fort et. Et je me tape contre une team qui m'explose la gueule. Bon, là en soi, ça va. En soi, ça va. Les teams n'ont pas trop de puissance. Donc, plutôt mal ruiné. Ça dépend. C'est des vagues. Des fois, t'as des vagues où t'as que des mecs ultra, ultra pétés. Tu leur montres, ils font que jouer. Toi, tu joues jamais. Et je peux te jurer que là, mon gars, à la boule, t'as le point qui veut partir. Tu vois, t'as envie de lancer ton téléphone. T'as envie d'éclater ton écran. Tu sais, quand t'es là, tu touches à rien. Mais tu vois que tes persos crèvent un par un, un par un. Et l'autre en face fait que jouer. Il fait que jouer. C'est un truc de ouf. On va enlever sa protection. Voilà. Avec une petite auto-attaque directe. Bon, ça c'est à 9K. 9K. Juste mon auto-attaque. Hein. Juste mon auto-attaque. Hein. Bon, je vais le tuer easy, hein, clairement. Cette team-là, je crois qu'elle va pas faire long feu. On va faire ça. Histoire qu'il me pète pas les couilles là. Le Hagen. Bon, ok. Le Hagen n'a pas été affecté. Donc il va pouvoir. Il peut pas one shot parce que bah, bien sûr j'ai la rune unbreakable. La rune unbreak les petits potes ça sert juste à ce que ton personnage tank un gros coup. Tank un gros coup. Petit 44 000. Voilà. Et ce que vous allez voir c'est que je récupère mes cooldowns assez rapidement. Assez rapidement. Et c'est ça qu'il faut retenir avec Mortis, tu vois. Là prochain coup, tu vois, j'aurai encore mon autre sort. Et une fois que j'aurai fait mon autre sort, j'aurai de nouveau mon super sort, tu vois. Ça qui est cool avec Mortis. Je le jouais à l'époque, mais je pensais pas que un jour il allait être aussi méta que ça. Une fois dans sa carrière, hein, tu vois. Bon, là il m'a bloqué, c'est pour ça. Mais sinon j'ai nouveau les deux. Hein. Bon, de toute façon avec une auto-attaque, je tue le Valkyne. J'ai calé une épique. J'ai calé l'épique. J'ai calé l'épique. Les foudres de Mortis. Trop stylé. Trop stylé, je trouve. L'épique de Mortis, c'est vraiment trop stylé, je trouve. Petit éclair. Je sais pas si j'en fais encore une. Non, je pense que je vais m'arrêter là. On a combien on a combien de temps de vidéo là? Je peux pas le voir. Non, je peux pas le voir. Tant pis, c'est pas grave. C'est clairement c'est pas grave. C'est pas ce qui va me faire chier. Du coup, les petits potes, petite session de raid avec ma nouvelle team et le boss de la méta, les petits potes. Le boss de la méta, the king of the meta. Je sais pas si ça se dit. Je parle jamais anglais, hein. J'ai inventé un petit truc là. Peut-être que ça se dit, peut-être que ça se dit pas. Tant pis quoi. On s'en fout. On n'y va pas. J'arrête. Je me cache sous les draps. Bref, les petits boss. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Hein. La petite vidéo tranquille, pépère. Je vous montre le petit personnage Mortis. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez en savoir plus sur lui. Si vous voulez avoir un petit tuto. Sur ce, les petits potes, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker. Ça me fait super plaisir, en fait. Et
Rejoignez le Discord, les petits potes, ça me ferait super plaisir. Et envoyez-moi toutes vos vidéos de PVP, de raid. Même si vous êtes BL, c'est pas grave. Moi, je prends tout, je regarde. De toute façon, je les mettrai tous, hein, parce que de toute façon, je reçois pas 10 000, hein, je reçois 3-4, tu vois. Allez, c'est ça, les petits potes. Moi, je vous laisse. Allez, ciao, les petits potes. Portez-vous bien. Bon.